Rosemary, tu peux me faire à manger? Te faire à manger? Demande à maman Rose, je vais sortir. Pour une fois, la fille aînée des Collet est de sortie. J'ai la responsabilité d'être l'aînée de 18 enfants. Et c'est très pesant. Je dois tout le temps m'occuper d'eux. J'aide à changer les couches, à faire la vaisselle. Et je sors rarement le soir. J'y vais. Salut. T'es venue à pied? Oui. Il fait froid? Oui. Rosemary va assister au tournoi avec son amie Gaylin. Je peux prendre le van pour aller au tournoi de basket? Oui. Je vais chercher les clés. Gaylin est très tournée vers l'extérieur. Je crois que ça m'a aidée à aller vers les autres, à ne plus rester enfermée. Qu'est-ce que tu fais en général? Tu te mets sur le côté et tu regardes? Oui, et tu... Tu parles avec les gens? Oui, c'est ça. Tu ne sors jamais, c'est ça? Non. Il y aura qui, à ton avis? Beaucoup de garçons. Quand elles arrivent, le tournoi bat son plein. Ils ont déjà commencé? L'équipe de Hiram est en demi-finale, à une victoire de la qualification pour le championnat. On a mal joué dans le premier match, mais on a gagné largement dans le deuxième. On est bien chauffés maintenant. On était quasiment les seules filles. Il n'y a pas autant de filles que je l'aurais pensé, mais c'est pas grave. L'important, c'est le basket. C'est le tournoi. Joli tir. Je me demande quelle équipe joue là-bas. C'était bizarre comme situation. Il n'y avait quasiment que des garçons qui faisaient leur truc dans leur coin. J'étais un peu mal à l'aise. Il est blessé? Qu'est-ce qu'il s'est fait? On dirait qu'il a mal. C'est une bonne expérience, parce que je vais me marier un jour et que je devrais participer à la vie de mon mari. C'est bien de faire ce genre de choses. Même si c'était un peu gênant. Pendant ce temps, sur le terrain, l'équipe de Hiram a besoin de marquer encore un panier pour aller en finale. Si on gagne, on est qualifié pour le championnat. J'espère qu'on va assurer. C'est bon, ça rentre.